Non mais meuf, ça c'est non. Les mecs auto-centrés sur eux-mêmes qui t'énumèrent leur patrimoine comme si t'étais notaire, ça dégage. Je sais ma vie, mais là j'ai besoin d'oublier l'autre blaireau là. D'ailleurs, il t'a envoyé un message. Comme d'hab, il sait pas ce qu'il veut, mais il s'excuse, mais il a peur de s'engager. Enfin bref, ça me saoule. Tu l'as bloqué, hein. On a couché ensemble hier soir. Quoi? Oh bah je vais rien dire parce que niveau relation, je suis une bille. Ah, voilà le cochonnet. Ça va, tiki fiac? Elle a encore quitté l'autre chiasse. Attends, mais c'est pas la 8e fois que tu le quittes? Ah ouais, mais là c'est plus une relation, c'est une série Netflix là. Ouais, bah je préférais qu'elle saute un générique que ce mec, hein, c'est ma bouteille. Je tombe que sur des hommes qui me brisent, hein. Nickel ça. T'es comme Britney Spears en fait, hein. Mais un pauvre. Merci, juste tu me réconfortes ou tu m'enterres là? Depuis le début, je le sens pas, bébé. C'est quoi? Oublie-le, deviens une femme forte et indépendante, vois d'autres mecs, tape-toi son père. Hein? Faut frapper un grand coup. Mais attendez, je comprends pas là, pourquoi tu l'oublies pas? Mais il a fait LV2 teubé à l'école lui? Laisse, il est encore innocent. Ok, alors faudrait peut-être me respecter, non? Mais on veut vous oublier, sauf que vous revenez quand on refait notre vie. Parce que ça fait chier votre ego qu'on aille mieux. C'est votre fierté qui parle, pas vos sentiments. Et nous on y croit. Parce qu'on est amoureuse. Bah il est peut-être sincère. Il a peur de s'engager. Il prend son temps. Mais ça fait 2 ans, elle fait quoi? Elle pose à RTT pour qu'il retrouve ses valoches? Ouais bon allez, laissez tomber. Sors la bouteille ma vie, lance la musique.